Jean Bénard, qu'au choix occasionnel, Trouteville. Tu es né en 52, après Jésus-Christ. Et puis, donc, on va vous raconter l'histoire des confesses du tuer de Cani. En fin de compte, à Cani, comme dans toutes les petites villes de notre coin, il y a souvent des cirques qui passent. Donc à Cani, il y avait un cirque qui était passé, et puis quand ils arrivent, les circassiens, ils s'entraînent. Puis quand ils ont fini, ils visitent le coin. Puis là, il y a l'acrobate qui dit, tiens, j'ai fini mon numéro, mais on va visiter Cani. Donc dans Cani, il n'y a pas grand-chose à voir. Il veille en montant la côte là, qui va à Suffecant, il veille qu'il y avait l'église. Il dit, tiens, mais il y avait l'église, mais ça m'intéresse. Il rentre dans l'église, il regarde les vitraux, il regarde tout ça. Et puis, il n'était pas un gars de l'église. Hein. Il veille un buffet, il dit, comment ça se fait? Il dit, ils ne doivent pas être riches dans ce domaine-là. Ils ont acheté un buffet, il n'y a qu'une porte. De chaque côté, il n'a rien. Et puis, il dit, je vais m'avancer un petit peu pour voir ce que c'est que ce buffet. Puis, il rentre, il dit, il y a un buffet, il y a même pas de chair. On peut même pas se chaiser là-dedans. Puis il dit, il faut sûrement se mettre à genoux parce qu'il y a un petit banc. Donc il se met à genoux dans ce petit banc. Puis il entend glisser, bonjour mon fils. Il y a des gens qui me connaissent. Et puis il dit, vous venez vous confesser? Il dit qu'il n'y a pas de l'église, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il dit, je vais vous aider mon fils. Ah oh, bon, vous savez bien comment que c'est. As-tu menti? Enfin, vous connaissez bien, tu connais, Tachar. Ah oui. Bah oui, tu as été à confesse. Et à puis, bah ouais, on allez. Et puis, allez à confesse. donc après, il dit, tu es, il fait son petit speech comme d'habitude, mais là, je ne suis pas fort là-dedans. Hein. Et puis, il dit, vous allez faire pénitence. Un gars, il ne sait pas ce que ça veut dire, fait pénitence. Il dit, vous allez réciter. Tu te souviens du tarif, tes trois pater et puis. Et j'étais allé tout, dis donc. Et puis, il dit, Il dit, mais oui, mais vous me demandez des trucs que je connais pas, moi, les pater et puis les avez. Ah, il dit, mais oui, mais monsieur, je suis un acrobate du cirque qui est sur la plage à côté de la mairie à Cani. Ah, il dit, alors là, mon fils, si vous êtes un acrobate, pour votre pénitence, vous allez me faire un petit spectacle, une petite démonstration dans l'église, parce que moi, je n'ai pas le temps d'aller au spectacle, puis vous, comme vous ne savez pas les prier, on va s'arranger. Oh, God, il dit, ça, je veux bien. Il sort, le v'là parti, salto, il fait tout ce qu'il s'est fait, saute pas dessus les bancs, pas dessus la chaire parce que t'es trop haut, mais le v'là parti dans tous les sens, des calipettes à droite, des calipettes à gauche. Et puis, il y avait deux petits vieux qui étaient là. Il dit, mais tu sais que c'est que ce travail-là? Et puis, il dit, mais bon, tu es là, il regarde, il dit, oh, dis donc, bravo, et il l'applaudit. Bien, c'est très bien, mon fils. Il dit, là, tous vos péchés sont pardonnés. Oh, dit, le v'là reparti. Puis, tu es, il s'adresse aux deux petites vieux qui étaient là. Il y a souvent des vieux qui vont à confesse. S'il s'adresse aux deux petites vieilles, puis il dit mes sœurs, si vous voulez bien rentrer, on va reprendre les confesses. Oh, elle se barre en galopant, à toute vitesse. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Ah, oh, il dit, si c'est chat la pénitence, ça va mettre une culotte.